Hey MJ. Quoi? On est où? On est en Italie. Mamma mia! On se fait la bise? Ouais. On se fait la bise. Merci énormément. Si tu passes au Canada pour de vrai, tu nous envoies un message. Ok. T'as une place. Pour aussi longtemps que tu veux. Okay. Mais pas plus que 3 jours. Ouais. Bonne fin de voyage. Merci. On va se voir sur YouTube. Ouais. Voilà, notre séjour à Marseille est déjà terminé. Ouais. Et là, on s'en va vers les Alpes françaises. On a décidé de profiter qu'ils sont là pour aller voir les montagnes. Parce qu'on sait pas, hein, peut-être qu'un jour ils vont disparaître. Exact. Non mais, hein? Hein? Tant qu'à être là. All right. Merci encore, Alice. Oui. Let's go. Petit pit stop à la boulangerie, pâtisserie. On avait le goût de manger un jésuite. C'est tellement bon. MJ est allé voir s'il y en a. J'avais aucune idée c'était quoi des jésuites. C'est pas de pain aux amandes. Ben là, je sais plus si c'est des jésuites ou des pains aux amandes. Des jésuites. Ben là, il savait pas du tout de quoi je parlais. Mais t'as-tu dit un croissant aux amandes? Ben là, après ça, j'ai dit un pain aux amandes. Puis il a fait ah, non. De toute manière, j'ai même pas faim pour. Non? Non. Ah. J'ai même pas fini ma sandwich. Là, on est arrivé dans les... Comment ça s'appelle, MJ? Les Hautes Alpes. Les quoi? Les Hautes Alpes. Pas les autres Alpes, mais les Hautes Alpes. On est entouré de montagnes. Vraiment beau. MJ est vraiment dans son élément. Je capote. MJ a trip sur tout ce qui est montagne. Fait qu'on va aller se promener, puis on va aller découvrir la région. On est à Gap, puis on est en direction de Grenoble. C'est fou à quel point ça ressemble vraiment... mais vraiment à la Nouvelle-Zélande ici. Dans les Alpes françaises, là, les Hautes Alpes, vraiment beau. Puis bien, on espère que ça vous dérange pas, mais c'est tellement beau que je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir plus de shots de drone que d'habitude. On est rendu à Briançon, qui est une petite ville en plein milieu des Alpes. Il y a des montagnes partout, entourées. Puis on est à 20 minutes de l'Italie. Fait que on a comme décidé d'aller dîner en Italie. On est si proche! Pour les curieux qui aiment ça, le behind the scenes, quand on tourne avec la GoPro, la rue en accéléré, c'est comme ça. La GoPro est collée sur la windshield dehors. Faut juste tout le temps croiser nos doigts qu'elle tombe pas. Got the shot! Petit stop. Là, il y a un centre de ski, là, il y en a un. C'est bien trop hot! C'est quoi qu'il y a, MJ? De la neige! Je t'ai presque eu. Oui, mais tu m'as manqué. On avait oublié la caméra. Bon ben, d'après Google Maps, on est officiellement en Italie. Si on nous avait dit 2 jours passés qu'aujourd'hui on serait en Italie en train de manger du ravioli et un panini, parce que non, il n'y avait pas de pizza ici. J'aurais pas cru. Moi, j'aurais pas cru qu'il y avait de la neige. Là, pour que mon expérience italienne soit vraiment complète, il manque juste de voir quelqu'un qui dit « Mamma mia » puis qui se tienne les mains. Mais on l'a vu, là, il y a quelqu'un à la table à côté qui parle de même, mais... Je l'ai pas vu. OK, bon appétit, toi. Appetita! Peu importe que ce soit en voyage ou dans la vie en général, ayez pas peur d'être spontané, de juste dire oui, puis de faire des choses que vous pensiez pas nécessairement faire. Là, aujourd'hui, c'est banal, c'est un petit détour en Italie, mais honnêtement, c'est un de mes highlights de tout le voyage depuis le début de l'année. Ça fait du bien de juste se dire « Ouais, c'était pas dans les plans, mais je l'ai fait pareil. » Soyez spontané. Bon, c'est le temps de quitter l'Italie, de retour en France. On est arrivé, puis on mange du riz. Avec des saucisses et des carottes. Non, on n'a pas encore gagné la loterie. Alright, si t'as aimé la vidéo, laisse un like, un commentaire, abonne-toi à notre chaîne, puis nous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Salut! Je dis qu'il y a beaucoup de coccinelles. Une, c'est cute, mais là, il y en a à peu près 60. Fait que c'est plus cute. C'est plus cute, là, c'est juste une infestation, c'est poche. Sur quoi est-ce que vous chicanez, vous chicanez-vous le plus à chaque fois, immanquablement? Wow, gros mot, ça. Ça doit être quelqu'un de vraiment bien éduqué qui a posé cette question-là.